Donc de toute façon, ça on l'a déjà vu. Je commence de la même façon. On commence de la même façon. 1, 2. Cette fois, je suis bien positionné. Il n'arrive pas à mettre ma jambe en dessous. OK ? Même position. Là, on fait la reverse de la worm en mode révision. C'est ce qu'on a déjà vu. Pour moi, c'est la technique la plus efficace en l'appel. Donc, je ferme la porte. Je récupère. Comme vous avez fait. Boum. Sur la technique précédente. Exactement. Et cette technique-là, elle est plus forte qu'avant parce qu'avant, il avait réussi à faire ça. Mais là, il n'a pas eu le temps. On a bien verrouillé. C'est bien verrouillé. Et là, je viens chercher ici. Okay. Là, ce que je fais, je pose mon pied sur sa hanche. Ce que je veux, c'est dominer son genou. Ce que je veux, c'est passer au-dessus de son genou. Une fois que je passe au-dessus de son genou, ce pied-là, il vient en crochet de la riva. Je charge vers moi, je garde le lapel, je le charge. Pour le charger, je n'ai pas besoin de le porter. Juste, vous ramenez vos genoux sur votre poitrine. Une fois que j'ai ramené les genoux sur la poitrine, je shoot ici, et là, j'ai le dos. Une fois que je sens que c'est bon, j'observe, je vais verrouiller un, et là, je lâche le lapel pour prendre le dos et verrouiller ma technique. Donc ça, pour moi, c'est une des positions les plus fortes en lapel. Si vous deviez concentrer votre apprentissage sur une, c'est celle-ci. Même si ça vous prend du temps, si vous arrivez à la faire, c'est très compliqué pour le gars de sortir. Et on verra après sur un cycle, on fera que ça et on répétera les trois variantes possibles de là, c'est-à-dire la prise de dos, la montée et la clé de bras. C'est les trois trucs à faire. Donc, je suis là. 1, 2. Ici, on est bien. OK ? Mais la position parfaite, c'est d'avoir le genou. Donc, souvent, il va mettre de la pression ici, vous allez être ici. Vous voyez ce genou-là ? Moi, ce que je veux, c'est le dominer ici. Je veux passer ma jambe sur le genou. Dès que j'ai le genou, je mets la pression et le truc qui va le mettre dans le mal, c'est ce crochet-là que je viens placer derrière, sur sa hanche. Là c'est mort. J'attrape ce que je peux. Idéalement, je vais attraper le pantalon ici. J'attrape le pantalon. Même s'il veut aller là-bas, j'y vais pas. Je ramène mes genoux vers moi parce que je veux prendre son dos. Là. Boum. 1. Je viens verrouiller l'épaule, ceinture de sécurité, et je prends le dos. OK, on essaye. 1, 2, hausse. Oui, Roxane. Est-ce que tu vas mettre une deuxième crochet, tu fais un mouvement de traction ou pas? De traction, est-ce que tu le tractes ou pas? Non, tu ne tractes pas. Tracter, c'est tirer. Non, c'est 1, 2, 3, là, c'est le moment, là. C'est ça, boum. Bon. Allez, 1, 2, hausse.